Alors Goldorak, c'est un des génériques, évidemment, parce que... T'en as chanté 10 000, les génériques de Bernard. À peu près, mais il est important pour moi, parce que c'est le dernier de la série, tu vois. C'est vrai. C'est pour les jeunes. Bien sûr. Et celui-là, Goldorak, il a une importance spéciale pour toi, le fait justement d'avoir pu la rapporter. Parce que figurez-vous que en août 87, juste avant l'antenne du Club Dorothée, et Jean-Luc Azoulay m'a fait chanter une quinzaine de génériques. Et il y avait Collège Foufou, Juliette Duclèbe, enfin on ne connaissait pas les titres, sauf Goldorak, je connaissais le titre, puisque moi, adulte, j'avais offert un beau robot fait de repas à mon fils qui avait quand il avait ça. C'est un bon papa. Ça sera pas vrai. On l'a dit, c'est bien, les gars. Il n'y en a plus, alors c'est normal. Bon, Bernard, tout le monde attend ça, le retour de Goldorak. Alors, on va répéter un peu, hein. Je vais faire ça, c'était aussi. Bah, on est là, on peut le faire aussi. Ah, bah, parce que vous savez que dans ce générique du Club Dorothée, il y avait un beau goût bien fort, bien. Ça faisait Goldorak. C'est pas mal, bien couillu, bien fort. Goldorak. Eh oui, ça vient. Goldorak. Goldorak. Maestro, Goldorak. Bernard Minet pour nous ce soir. Fais-nous plaisir, fais-nous rêver.